Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self-Inspiration, idée à rêver soi-même. Et je vais vous montrer comment travailler ce joli petit point. Donc c'est un mix avec voilà, un effet V, granit. Ça vous fait un effet complètement déstructuré. Et puis bon, c'est un fil aussi original avec un fil blanc qui domine et un fil qui est coloré, qui a un dégradé de couleur. Et je vais vous montrer comment faire tout de suite. Alors, pour le fil utilisé, bah le voilà. C'est un fil de chez Action, donc Alison et Mae. Donc 100% d'acrylique et 40% de polyester, 150 grammes par pelote, 240 mètres de fil. Pour des aiguilles, 4,5 mm, mais moi je travaille avec du 6, donc un petit peu plus gros. Donc on y va maintenant. Donc voyez-vous déjà les changements de couleur. Vous voyez donc là, voilà, le fil blanc et violet. Donc là, on va pouvoir commencer. Donc voilà, c'est quand même les deux fils sont enroulés les uns aux autres. Et on va travailler sur un multiple de 4 pour la base. Donc je travaille sur 15 mailles. Donc 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ensuite, je prends 4 mailles en plus. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà, vous pouvez toujours allonger, raccourcir, mais voilà, il faut travailler sur un type de 5. Et les 4 en plus, ça par contre c'est à faire. Hein. Et maintenant on va dans la cinquième et on va crocheter une bride, une deuxième et une troisième. Dans tout ça dans cette même maille. Là j'ai trois brides. Qu'on a, voilà, qu'on a un fil avec joli, voilà, joli changement de couleur. Donc je fais deux mailles en l'air ensuite et une maille en l'air, une bride pardon encore dans cette même maille. Donc dans une maille en fait on a accroché trois brides, deux mailles en l'air, une bride. Ensuite on va sauter quatre mailles, une, deux, trois, quatre, et je vais dans la cinquième. Donc voilà, je travaille dans toutes les cinq mailles et j'ai crocheté du coup dans cette même maille trois brides, deux mailles en l'air et une bride. Donc le même principe que ce que je viens de faire. Ensuite, je saute à nouveau 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, on va crocheter 3 brides. Deux mailles en l'air, ensuite, et une bride. Donc ça, c'est vraiment pour... Voilà. Et ensuite, je saute, il me reste trois mailles. Et dans la dernière, on va crocheter une bride. Donc là, voilà, vous avez votre base. Donc on a nos trois brides, deux mailles en l'air, une bride, voilà, que vous répétez donc toutes les cinq mailles. Et on a nos... Voilà, on a sauté donc trois mailles. On a sauté cinq mailles. Voilà, donc du coup, on a travaillé dans la sixième. Et ensuite, voilà, donc pour ça. Donc on a appris du coup bien deux mailles. Entre, voilà, deux mailles entre le dernier travail de trois brides, une maille en l'air, une bride, et ensuite une troisième pour la bride. Et une bride, c'est travail en l'air. Donc du coup, cinq mailles sautées. Et donc là, je recommence. Voilà, avec trois mailles en l'air, et je vais crocheter trois brides au niveau des deux mailles en l'air, deux mailles en l'air, et ensuite une bride.
Et ensuite, voilà, donc dans cette, je vais dans l'espace, je travaille ça dans tous les petits espaces que j'ai créés, donc c'est-à-dire à chaque fois où j'ai mes deux mailles en l'air, entre voilà, les paquets de prides. Voilà, donc ensuite on poursuit avec 3 brides. Deux mailles en l'air, une bride. Une bride. Deux brides. Trois brides, deux mailles en l'air et une bride. Donc là, ça vous fait trois à nouveau, vous allez travailler sur trois bases et ensuite. Voilà, ça c'est, au niveau des couleurs, ça évolue très bien. Vous avez vu, on est dans du bleu foncé maintenant. Et au niveau de la chaîne de mailles en l'air, je vais crocheter une bride. Voilà, là je termine ce rang. Vous avez vu, ça va très vite, hein. Ensuite, 3 mailles en l'air. Je tourne le travail et je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai mis au niveau de mes 2 mailles en l'air, que l'on a créé entre la bride et les 3 brides, on crochète 3 brides. Deux mailles en l'air et une bride. Voilà, donc là on poursuit. Voilà, donc à chaque fois, hein, dans chacune des. Enfin, au niveau de chaque endroit où on a nos deux mailles en l'air, on crochète trois brides, deux mailles en l'air, une bride. Et à la fin. Une bride au niveau de la chaîne de mailles en l'air. Vous avez vu, hein, donc c'est vraiment le principe qui se répète. Et après, vous allez faire ça donc tous les rangs. Et donc c'est un point plutôt simple et qui voilà évolue assez rapidement. Vous avez vu. Donc voilà pour un projet sympa et facile et rapide. Alors donc, je continue un petit peu et puis je vous montre voilà le rendu que j'aurai obtenu. Donc nous y sommes. Donc vous pouvez voir un petit peu donc, comment ça a évolué. Donc vous voyez cet effet zigzag, cet effet, voilà. Donc ça fait vraiment quelque chose de sympa. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!